Le but ultime du jeu, donc on doit nourrir Fuzzy, l'écureuil toutou, à l'aide des noisettes. Avant de débuter, on doit distribuer de manière égale les noisettes. Donc, si nous sommes trois joueurs, nous aurons 10 noisettes chacun. Afin de rendre le tout éducatif dès le départ, je vous conseille de demander aux enfants de compter leurs noisettes. Puis en même temps, bien, on s'assure que tous les joueurs commencent avec un nombre égal de noisettes. Pour débuter, on doit faire tourner une noisette sur la table. Et le joueur pointé par la noisette débute la partie. Ensuite, on lance les deux dés. On a un dé chiffré et un dé qui indique les couleurs. Donc, le dé chiffré nous indique le nombre de noisettes à prendre pour nourrir Fuzzy l'écureuil. Et le dé qui représente les couleurs nous indique la couleur de la noisette à prendre. Par exemple, dans ce cas-ci, on obtient un 1 et la couleur bleue. Donc, je dois nourrir Fuzzy l'écureuil à l'aide d'une seule noisette bleue. Si par contre, dans notre réserve de noisettes, il nous manque des noisettes ou qu'on n'a pas la couleur demandée, on passe malheureusement notre tour. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur élimine sa réserve de noisettes. Alors, petit conseil avant de commencer la partie, laissez les enfants jouer, manipuler, toucher Fuzzy l'écureuil pour éviter toute perte de temps, puis en même temps pour leur laisser le temps de manipuler, insérer les noisettes et de voir le fonctionnement, pouvoir aussi savoir comment les sortir de Fuzzy l'écureuil. Donc, un petit détail que j'aime vraiment, c'est que la qualité du toutou, elle est superbe. Le dé en bois, les noisettes en bois, c'est vraiment du matériel de qualité, puis c'est agréable de jouer avec ce genre de matériel.